Hey, salut à tous, salut à toutes, c'est Draken, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, j'ouvre pour vous 15 ravitaillements standards. Bon, c'est pas des rares, c'est que des standards. Mais j'ai remarqué un truc, comme beaucoup de monde, c'est que il n'y a pas une énorme grande différence entre les standards et les rares. Bon, on a plus de chances d'avoir des rares, c'est sûr, mais c'est pas non plus énormément de chance. Donc, à la limite, moi je vous conseille, enfin moi je préfère ouvrir que des standards, ça coûte beaucoup moins cher. On va aller voir, donc ça coûte déjà 3 fois moins cher et quand même pouvoir avoir des bonnes choses en standard. Donc voilà. Donc bah, comme vous pouvez voir, j'ai 152 clés de cryptage que j'ai économisé. Et donc et bah, ce soir c'est parti, je vous ouvre, je suis un peu fatigué, c'est la fin de la journée. Je vous ouvre 150, je suis vraiment fatigué, hein. Excusez-moi. Je vous ouvre 15 ravitaillements standard. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Épique, rare, standard. Alors comme vous avez vu, en standard, j'ai réussi à prendre une épique transcription camouflage HV40. Il a l'air magnifique. Franchement, il a l'air magnifique. On va voir ça tout à l'heure. Donc tout à l'heure, ouais, je vais faire un peu le tour de tous les camouflages que j'ai eu. Mais là, pour l'instant, on va juste ouvrir les colis. Donc carte de visite, palais d'horreur et discrétion. Donc un petit camouflage tranquille. Allez, c'est pas... Ouais, c'est bien ça. C'est parti, on enchaîne. Contraste. Fossoyeur, mouvement ou trader menacé. Exécuteur, légendaire. Donc variante, SMG, SVG 100, chargeur rapide. D'accord. On continue. De toute façon, j'y gagne. Combat de requin, stylé la carte. Infernal et champ. Voilà, donc des camouflages un peu pas mal en fait. C'est bon, c'est standard, mais ils sont sympathiques quand même. Ça permet de pouvoir avoir pas mal de camouflage et pouvoir jouer un peu surtout les légendaires. Variante XR2 canon long. Ah ouais, d'accord, donc ça c'est les. Donc c'est les accessoires qu'on peut avoir une variante à chaque fois. Si vous avez, je sais pas, vous avez vu, vous avez une case à côté, vous pouvez changer le style de votre accessoire, de l'arme. Et donc voilà, c'est ce que j'ai juste avant d'ailleurs. Et là maintenant j'ai le canon long en variante. Voilà, donc j'ai un autre canon long, notre style. Donc voilà, légendaire. Donc on va voir ça, c'est stylé quand même avec des petits carrés et tout. Pas mal. Discrétion. Hallucination, il a l'air stylé aussi. Fait des couleurs pas mal. Du dingo. On continue. Allons-y, champ, camouflage MR6, carte de visite Wendigo, avec un cerf un peu space, hein. Et carte de visite aventurier. On continue pour le suivant. Ballon de football américain, bois, et camouflage VRD pour la pharo, pardon. On continue. On sait jamais ce qui peut tomber. La mort autocollant. Alors je crois que j'ai déjà celle-là. Camouflage MR6, VRD. Ben, j'ai eu sur la pharo juste avant, mais voilà. Pour le MR6. Et camouflage violet pour l'Argus. Voilà. Donc le violet, quand même, c'est vrai qu'il est stylé. Je l'ai eu déjà sur la Vesper et il est vraiment stylé ce camouflage. VRD encore. Pour une autre arme, BRM. Épique. Pour la Sheva. Dévastation. Qui a l'air magnifique aussi. On dirait un des sangs. Des cendres, ouais. Ou de la lave. Enfin, ouais, on dirait un peu de cendres lave. Du magma, d'ailleurs. Voilà, on dirait du magma. Je pense qu'il est. Il doit bouger, celui-là. Je pense qu'il doit faire un effet sur l'arme. On va voir tout à l'heure. Mais en tout cas, il a l'air vraiment, vraiment, vraiment stylé. Un rare sur les MR6. Étincelle. Au-dessus, sur les MR6, on est pas mal de camouflage, hein. Allez, il nous reste encore 7. Camouflage champ que j'ai vu tout à l'heure. Encore champ. Et ninja. On a souvent les mêmes camouflages, je trouve. Hein. Après, bon, ça change des armes, c'est sûr. Il y a tellement d'armes que à chaque fois, mais souvent champ. Non. Toujours, souvent des mêmes camouflages. Bon, on va voir. Hein. Après, c'est le début. Ils vont peut-être faire des patchs pour ramener des nouveaux camouflages, des fois. Hein. Grand Ouest. Carte de visite Grand Ouest. Discrétion. Et Verdé encore. Ça revient souvent comme les camouflages. Hein. Et VRD, c'est souvent les mêmes camouflages. Hallucination, que j'ai déjà eu tout à l'heure, mais là sur le locus. Rire joyeux et roi. Voilà, que du standard. Voyons ce que ça donne. VRD encore.
Bois, j'ai déjà dit tout à l'heure, et encore bois. C'est que. C'est dingue, hein, il y a souvent les mêmes. Les mêmes camouflages. Bon, ça. Au moins, j'aurais peut-être le verdé sur toutes les armes comme ça. Alors, bah, après, je pense qu'ils vont faire des DLC, dans les DLC et tout, ils vont sûrement nous mettre des nouveaux camouflages, je pense aussi. Hallucination que j'ai déjà eu, discrétion que j'ai encore eu. Je crois que. Il y a que trois camouflages différents et c'est tout, quoi. Allez, c'est reparti, on va quand même continuer. Révérence, mouvement firebreak, bonne partie. Discrétion sur le Brexy de 105 et contraste sur l'SVG 100. Et le dernier, messieurs et mesdames, un légendaire pour terminer, un rare et un standard. Alors, le légendaire sur le Locus, le Tisson. Donc, on va voir ça, elle a l'air jolie comme tout. Et les beaux jours pour le Vesper, donc il a l'air sympa aussi. Et le contraste que j'ai eu plusieurs fois, mais là sur la KN44. Et voilà, on a fait le tour de tout. Donc des ces 15 ravitaillements. Donc comme vous allez voir, on a souvent eu les mêmes camouflages. Donc c'est un peu dommage, mais bon, après, c'est peut-être moi qui n'ai pas eu de chance. Hein. C'est peut-être moi qui n'ai pas eu de chance. Donc on va faire le tour un peu. Bah, d'ailleurs, la KN, donc j'ai eu. Non, pardon. Ah si. Marché noir, contraste. Bon, c'est un peu plus un camouflage pour les filles, je dirais moi. Pour vous les filles, c'est plus un camouflage pour vous parce que avec des petites fleurs et tout, bon, les mecs, on est moins fleurs quoi. Et le discrétion, qui est vraiment pas stylé là, celui-là. Enfin, il est simple, mais vrai camouflage de guerre. Franchement, j'aime bien celui-là. J'aime bien. Pourtant, c'est un standard, mais j'aime bien. On va passer une autre arme. RC2, j'en avais. Marche. Non, j'en avais pas. Ah non. Ah non, c'était le canon long, celui-là. J'ai eu le canon long. Donc, comme vous pouvez voir. Ah, mais je l'ai pas débloqué encore. Canon, il est là. Mais je l'ai pas débloqué. Dommage, on va pas pouvoir voir. Ensuite. Allez, je débloque pour vous. Pour qu'on voie un peu ces camouflages. La transgression. Ah, il est vraiment, vraiment. Vraiment stylé, je trouve kiffant à moi, franchement. Alors ça fait un effet, je sais pas si vous, bon, vous devez voir quand même assez bien sur la vidéo, mais ça fait un effet donc carbone avec des espèces de néon rouge, un peu comme on dirait du sang ou je sais pas quoi, qui navigue. Mais c'est non, c'est vraiment joli, franchement, à voir après en game quand on l'a sort en juin, mais vraiment joli. Donc le verdet. Qu'on a sur beaucoup d'armes, que j'ai eu beaucoup sur beaucoup d'armes, pardon. Et bon, il est pas trop mal, ça va, il est pas trop mal ensemble. Discrétion, donc qu'on avait tout à l'heure, donc que je trouve vraiment joli aussi. Ensuite, ah, la Sheva aussi, la Sheva. Donc j'ai débloqué. Allez, j'ai des jetons, j'ai des jetons. Et donc, c'était les dévastations. La dévastation, elle est jolie comme tout. Il est joli comme tout. On dirait des cendres. Des cendres un peu. Avec un peu de braise. Non, non, non. C'est un petit barbecue on fait ce soir avec la Sheva. Oui. Non, non. Non, mais franchement, il est super joli. Super joli. C'est vrai que les camouflages épiques ou légendaires sont vraiment sympas. Ça, il y a vraiment une différence entre les standards. Et les légendaires et épiques, hein. Franchement, si vous tombez sur un épique, c'est que il est joli. Vous pouvez être sûr qu'il va vous plaire. Enfin, quasiment sûr, quoi. Après, ce qui est possible que vous avez des goûts très difficiles, mais en tout cas, je pense qu'ils plairont à beaucoup de monde. Donc voilà. Après, il y avait la Vesper aussi. La Vesper. Donc, ah oui. Donc le violet que j'avais déjà eu la dernière fois. Voilà, qui est sympa. Et les beaux jours. Bonjour, et style aussi, hein. Avec des signes japonais ou chinois, excusez-moi, je sais pas, je connais pas trop, mais en tout cas, style en noir avec le blanc et tout, avec des petits points rouges, genre traces de sang et tout. Ouais, il est vraiment joli celui-là. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est deux rares, des camouflages rares, mais très joli. Ensuite. Razorback, je crois que j'en avais. Ah, ou c'était peut-être un. Attendez, non, c'est un peu personnalisé. Non, c'est. Alors attendez, je sais plus.
Est-ce que c'était... Alors, avant déjà... Camouflage. Ah non, c'était le camouflage, je crois. J'ai dû avoir le verdet. Oui, c'était ça. Voilà, donc sympathique. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Il y avait quoi aussi encore comme... Cuda, non, je crois pas. Ah si, Cuda, j'ai eu. Chant. Qui est sympathique quand même. Simple, mais joli. J'aime bien. Le discrétion qu'on a déjà eu, qui est vraiment, j'aime bien aussi. Et le bois. Le bois qui est joli aussi. Non, mais franchement, ils sont tous jolis, j'aime bien. Tous les camouflages sont sympas, franchement. Même c'est des standards, mais franchement... Putain, franchement, son BO3 là, les camouflages, ils sont plaisants. C'est... Ouais. Les standards, les... Comment dire, les ravitaillements vaut le coup. Ils sont gratos en plus. Et ils valent le coup quand même. Hein. Ça fait plaisir. Des beaux camouflages comme ça. Ah non, franchement, j'adhère. J'adhère. VMP, je crois pas que j'en avais eu. Non, malheureusement. Malheureusement, j'en ai pas eu avec celle-là. Ensuite, Dingo, la Dingo, la Dingo. J'en ai eu. Hallucination. En standard. Qui. Ouais, bof. À la limite, vous voyez, celui-là, je suis pas. Je suis pas top top. C'est bizarre. On dirait un peu des flammes avec du bleu, du. Enfin, ouais. Je suis pas top. J'aime pas trop. Celui-là, je le mettrai pas. Puis bon, je joue pas tellement avec la Dingo en plus. Donc voilà. Ah oui, il y a aussi le Locus. Le locus, on a eu deux. Le tison. Ah, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, éternué. Le tison. Alors, celui-là. Alors, c'est un légendaire. À première vue, il est un peu space. Mais il est quand même sympathique. Moi, j'aime bien. Il est pas extraordinaire. C'est pas d'ailleurs extraordinaire, mais je trouve super joli. Mais il est quand même sympa, on va dire. Ça fait des couleurs un peu. J'aime bien les couleurs un peu. Plusieurs couleurs. Un trio de trois couleurs sympathiques. Mais on sait pas trop ce que c'est. Il y a du marron. C'est un endroit, ça fait un peu des espèces de yeux, de bouche et tout là. Enfin, je sais pas. Non, mais ouais, ça va, on va dire. Moyen, moyen. Hallucination, mais c'est la même que j'ai eu sur la Dingo. Donc, je suis. Quoique sur le Locus, ça change un peu quand même le style, hein. Ça change un peu le style, mais je suis pas fan. Je préfère d'ailleurs l'Intensity, vous voyez. Intensity, ben, en légendaire, que j'ai eu la dernière fois, je crois. Je viens pas de l'avoir, je l'ai pas eu là, je crois. J'ai eu la dernière fois. Et je suis en plus, il clignote un peu le jaune là, le jaune clignote, ça fait. Non, c'est sympa. Mais d'ailleurs, Assignation, ouais, si ça change un peu quand même. Voilà, donc c'est ça, c'est bon. Ça c'est bon. Et ben, je crois que c'est tout. C'était tout que j'ai eu. Et donc aussi, ah si, pardon, les spécialistes Outrider, provoque, menacé, fossoyeur. On va tester. Elle creuse avec la pelle, elle prend la victime, le cadavre, et hop, elle enterre. Sympa. Et sympa. On se le refait? Alors, on se le refait un petit peu. Check. Check. Jack, toi, mon gars, je t'enterre. Tiens, regarde, je t'enterre, mon gars. Fuck. Pas mal. Alors, après, il y en avait peut-être d'autres. Je sais plus. Ah, il y avait le Firebreak. Firebreak. Bonne partie. Révérence. On va voir. Ah, celui-là, je kiffe. Aïe, quand tu leur as mis une bonne tôle, toi. Time et tu fais. Messieurs, je vous laisse passer, au revoir. La porte est ici. Ah, je kiffe celui-là. Vous avez pris une bonne tôle? Écoutez, la porte est ici, je vous en remercie. Au revoir. Ah non, pas mal. C'est ça, c'était quoi ça? Intensification? Rendez-vous si vous voulez vous faire cramer. Ah, mais ça, ouais, c'était le truc de base. Et j'avais eu ça la dernière fois. Mais alors, je le comprends pas, ça, par contre. Parce qu'ils mettent, se vanter, les flingues. Mettre les flingues, mais là, il fait pas les flingues, là. Là, il monte ses bras, c'est tout. Bon, c'est pas mal, c'est marrant, quand même, mais c'est pas des flingues, ça. Mais bon, voilà. Donc, sympa. Le ravitaillement, sympa. Donc, sur 15 ravitaillements, j'ai eu pas mal de camouflages sympathiques. Et puis, bah,
deux mouvements marrants, quoi. Donc, non, mais c'est pas mal fait leur système de faire les gestes et tout en fin de game. Pas mal, pas mal. Bon, ben voilà, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!